Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est reparti pour faire encore une carte Noël. Oui, je sais, je vous l'ai dit, vous allez en bouffer plus qu'il n'en faut. Donc je suis toujours avec les découpes de Bibiche. Et donc on va encore utiliser un elfe. C'est l'elfe de la dernière fois qui était colorisé. Je vais vous le montrer. Là j'ai pris l'elfe. Je vais prendre des boules. Donc je prends des boules de ici. Il y a celle-ci. Il y a ces boules là. Hop. Et les dernières, elles sont là-dedans. C'est des boules rondes classiques. Je sais pas s'il reste encore. Je vais pas trouver des boules. Oui, oui, si, voilà. Je vais vous en montrer une. Hop là. Voilà. Il y a des boules comme ça. Donc je vais prendre ces trois boules. Boule là, je vais vous mettre en musique en accéléré et je vais faire la colorisation et vous allez voir, j'ai une petite idée derrière la tête, donc je pense que je ferai en voix off en fait le reste de la vidéo, donc je vous retrouve tout de suite. Donc me revoilà en voix off. Alors là je vais faire une colorisation et je vais vous mettre comme à mon habitude les références des feutres que j'utilise. Donc vous allez voir, je vais colorier les boules en fait de trois couleurs différentes, dans les teintes violettes, dans les teintes vertes et dans les teintes turquoises. Et je vais revenir avec la voix, je vais vous laisser en musique ici et puis je vais revenir quand je ferai le montage de la carte parce que j'avais une petite idée derrière la tête, voilà. Donc voilà, une fois qu'on a les boules qui sont coloriées, on va passer au fond de la carte. Donc je vais prendre le papier qui va tout en haut, donc c'est-à-dire celui qui est avec la fausse couture, et je vais faire un effet brique avec un pochoir et je vais prendre la teinte Hickory Smoke. Alors je vais pas remouiller mon applicateur d'encre dans le pad d'encre, je vais juste utiliser l'encre qui est sur mon applicateur d'encre pour que ça soit très léger. Vous allez voir, je vais faire un fond très léger et donc je vais décaler mon pochoir ensuite à droite pour pouvoir faire que le mur en fait tienne tout l'espace. Voilà, j'ai protégé environ 2 mm sur les côtés de ma carte et puis comme ça en plus ça me tient mon papier, donc c'est parfait. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais ensuite positionner les boules de Noël que j'ai réalisées en fait comme si j'avais fait pendre des boules en fait. Donc je vais utiliser un crayon papier pour faire des traits droits et ensuite je collerai de la ficelle noire et au bout de ces ficelles je ferai pendre une boule de Noël d'une couleur, voilà, soit violette, soit verte, soit turquoise. Et du coup bah, je vais vous laisser avec la suite du tuto
Et vous allez voir, je vais faire un petit rappel à l'intérieur qui va être super. Enfin, je trouve que l'effet est super du coup quand on ouvre la carte. Et puis, ça s'accorde très très bien avec le petit elfe qui tient une boule déjà dans ses doigts. Donc voilà, je vous retrouve quand la carte est terminée. Et puis, je vous laisse en musique.
voilà, la petite carte est terminée. Donc comme vous l'avez vu, je vous ai fait en voix off parce qu'il y avait du monde chez moi, donc j'en ai profité pour faire la carte sans que personne m'entende, voilà. Et donc je vous ai rajouté la voix off et donc je vous fais maintenant la petite... je vous montre la carte, je sais plus faire ça, hein. Oh là là, mais... donc oui, je vous montre la petite carte. Donc j'ai fait ceci, hop, toujours tampon de florilège, je vous l'ai dit, les boules, hop hop hop, le petit elfe, et quand on ouvre comme ça, on a le rappel des boules en fait. Donc j'ai collé les boules et j'ai fait un trait au crayon noir, j'ai utilisé mon Tombow, et là j'ai utilisé du fil, du cordon, cordon de coton je crois que c'est, j'avais acheté ça chez Cultura, une bobine, ça fait... 2 ans que j'ai la bobine, elle est toujours aussi grosse. Donc voilà, je sais pas ce que vous en dites, mais j'aime beaucoup. Du coup, ça fait la deuxième avec les tons de bleu un petit peu là. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'aurais dû faire un fond de la même couleur ici, mais le noir, ça ressort avec la bannière. Donc bon. Sinon, j'adore, j'adore, j'adore. Donc bah, vous l'aurez compris, hein, je vais essayer de faire 2 cartes à chaque fois avec les petits personnages, voire 3. Donc je sais pas si vous en aurez une troisième avec les petits elfes, mais c'est à voir. Donc j'espère que cette carte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce, on se retrouve très très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.